Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'imagine que vous êtes toujours à la maison, parce qu'on est tous un peu à la maison en ce moment. Les grands, ils appellent ça le confinement. C'est un mot compliqué, et puis on dirait presque un gros mot. Eh bien, Albert et moi, on a entendu parler d'un truc qui s'appellerait le coco-finement. Parce que rester à la maison, eh ben, c'est un peu comme être dans un cocon, finalement. À la maison, on se sent bien. À la maison, on est protégé. Alors Albert, il a eu envie de se faire un petit cocon, rien qu'à lui. Vous voulez que je vous le montre? Venez, approchez. Ce matin, quand j'ai cherché Albert, je l'ai découvert dans son petit cocon à lui. Un jour dans sa cabane, un tout petit Albert. Hé, dis donc, tu viendrais pas avec nous? Parce que tu sais, ton petit cocon que tu t'es fait là, ta petite cabane, ça me rappelle une histoire. Tu veux que je te la raconte? Vous aussi? Alors, pendant que je cherche Albert dans sa cabane, vous avez le temps d'ouvrir grand les oreilles, bien sûr. Grand les yeux. Et l'histoire va pouvoir commencer. Mais d'abord, tu dis bonjour Albert. Bonjour les enfants. Bon, maintenant qu'Albert a dit bonjour, qu'il est prêt à écouter les histoires, bien installé, je vais vous raconter l'histoire d'une petite chenille qui, elle aussi, un peu comme nous en ce moment, s'est fabriquée un joli cocon. Mais d'abord, cette petite chenille, elle était dans un œuf. À la lumière de la lune, un œuf reposait sur une feuille. Dimanche matin, quand le soleil se met à briller, tout à coup, s'ouvre et il en sort une petite chenille. Et cette petite chenille, elle a très faim. Alors, lundi, elle croque dans une pomme. Scrunch, 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 scrunch. Et elle y fait un trou. Mais elle a encore faim. Alors, mardi, elle croque dans deux poires. Scrunch, scrunch, scrunch. Scrunch, scrunch, scrunch. Et elle y fait deux trous. Mais elle a encore faim. Mercredi, elle croque dans trois belles prunes. Scrunch, scrunch, scrunch. Scrunch, scrunch, scrunch. Scrunch, scrunch, scrunch. Et elle y fait trois trous. Mais elle a encore faim. Alors, jeudi, elle croque dans quatre fraises. Comment elle fait la petite chenille quand elle croque? Scrunch, scrunch,
Scrooge, tout à fait. Scrooge, 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 deux fraises. Et Scrooge, 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 trois fraises. Et Scrooge, 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 quatre fraises. Cette fois-ci, la petite chenille, elle y fait quatre trous. Mais elle a encore faim. Alors vendredi, elle va croquer dans 5 oranges. À vous, comment elle fait la petite chenille quand elle croque? Scrunch, scrunch, scrunch. Exactement. Encore. Scrunch, scrunch, scrunch. Encore une fois. Scrunch, scrunch, scrunch. C'est bien, on continue. Scrunch, scrunch, scrunch. Elle est affamée, cette petite chenille. Scrunch, scrunch, scrunch. Elle a donc fait 5 trous. Mais elle a encore faim. Alors le samedi, cette petite chenille très gourmande, elle s'en va croquer dans une saucisse. Scrunch, 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 scrunch. Dans du fromage. Scrunch, 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 scrunch. Dans un gâteau. Scrunch, scrunch, scrunch. Dans un cornichon. Scrunch, scrunch, scrunch. Dans une glace. Scrunch, scrunch, scrunch. Et enfin, dans une délicieuse brioche. Scrunch, 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 scrunch. Mais après avoir avalé tout ça, la petite chenille, elle a mal au ventre. Alors, dimanche, elle croque dans une belle feuille verte. Scrunch, scrunch, scrunch. Scrunch, scrunch, scrunch. Et elle se sent beaucoup mieux. Alors elle décide de se faire une petite maison. Elle décide de se construire un joli cocon. Seulement, elle n'est plus une petite chenille. Après avoir mangé tout ça, elle est devenue grosse et bien grasse. Voilà qu'elle a assez de force pour se fabriquer un joli cocon bien sécurisé. Alors la petite chenille, pour prendre encore des forces, elle se blottit dans son cocon. Et comme nous, dans nos cocons maison, elle va y rester pendant quelques semaines. Passe les jours, passe les nuits. Passe les jours, passe les nuits. Et un beau jour, à la lumière du soleil, crac ! Le cocon s'ouvre. Et vous savez ce qu'il en sort? Il en sort un magnifique papillon de toutes les couleurs. Notre petite chenille avait pris assez de force dans son cocon.
Et quand elle en est sortie, elle était devenue un magnifique papillon. Et cette histoire est finie. Vous voyez, nous, c'est pareil. En ce moment, on est dans nos petits cocons et on prend des forces et de l'énergie et des câlins. Et tout ça, ça fait beaucoup du bien. Et quand on sortira de nos cocons, on sera comme la petite chenille. On sera devenu fort, comme le joli papillon. Ça me rappelle une autre histoire. Parce qu'il n'y a pas que les chenilles qui se font des petits cocons, mais il n'y a pas que les Albert qui se font des petites cabanes. Il y a d'autres petits animaux qui se font des cocons pour se cacher. Ou pour cacher à manger, ou pour se protéger. Ça vous dit? On va aller voir. Tiens! Dans les fleurs, quelqu'un se cache. On regarde qui c'est. Attention, tiens, c'est une petite coccinelle qui s'est cachée dans son cocon à elle. Derrière le buisson, quelqu'un s'est fait une petite cabane. Vous l'entendez? Miaou. Miaou. Tiens, qui ça peut bien être? On regarde. Derrière le buisson se cache, oh, coucou, un petit chaton. Tiens, 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 nous voilà près de la forêt, près d'une grotte. Et d'après vous, qui se cache dans la grotte? Attention, vous êtes prêts? Ouh, dans la grotte se cache petit ours, bien à l'abri. Il attend sagement papa et maman. Et sous la feuille, dans les arbres, celui qu'on ne voit jamais, celui qui est toujours bien caché, c'est bien sûr le petit... Oh, c'est qui? C'est le petit écureuil? Il se cache dans les arbres. Il se fait une petite cabane pour y ranger ses noisettes. Et là, le meilleur cocon du monde, qui se cache dans les bras de papa. Attention, c'est... Bon, c'est le bébé, bien sûr. Bien à l'abri, à la maison. Dans les bras de papa ou de maman. Voilà, les histoires d'aujourd'hui sont finies. On va dire au revoir, Albert. Après, promis, tu pourras retourner dans ta cabane. Pas de souci. Moi aussi, je vais me faire une cabane, d'ailleurs. Vous aussi, chez vous, vous pouvez vous faire des petits cocons. On peut s'y cacher, on peut y jouer. Tu dis au revoir Albert. Au revoir. Au revoir les enfants. Un jour dans sa cabane, un tout petit Albert. Hop, je tiens mes zoups.